50 ans, ça se fête, jubilé d'or pour la SNEL. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de recevoir pour vous André Alain Atundu Liyongo, PCA de la SNEL, pour parler réellement les défis que la SNEL a relevés, mais aussi ce qui reste à faire. André Alain Atundu Liyongo, bienvenue. Merci. Je vous souhaite aussi la bienvenue chez nous à la SNEL, mais faites comme chez vous. 50 ans après, la SNEL, toujours compétitif ? Compétitif et en première ligne, le leader du secteur de l'électricité au Congo. C'est toujours la SNEL. Trop critiqué. Il est normal parce qu'on attend beaucoup trop de la SNEL alors qu'on n'y contribue pas autant. Chacun a sa part. La SNEL fait sa part, les clients doivent faire leur part, les citoyens doivent aussi faire leur part, c'est-à-dire protéger les infrastructures et autres biens de la SNEL pour que la SNEL soit à même d'offrir à ses clients une électricité de qualité et de grande stabilité. 50 ans après, la SNEL a vieilli. Mais ça, c'est la force de l'âge, même sur le plan humain. À 50 ans, on est dans la force de l'âge. Aujourd'hui, la SNEL a acquis une maturité à travers notamment ses ingénieurs et ses cadres, une maturité que beaucoup nous envieraient. N'est-ce pas ? J'ai été, au cours de ma dernière visite d'inspection à Zongo, à Inga, et je me suis rendu compte du know-how et de la grande maîtrise de toutes les ficelles de la gestion d'un barrage. Et même, je peux dire, sans trop de prétention, qu'aujourd'hui, à partir de leur expérience de Inga 1 et 2, de Zongo 1 et 2, nos ingénieurs sont capables de construire un barrage authentiquement congolais au service des Congolais, pourvu que l'État leur donne la couverture nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier des facilités financières en l'occurrence. 50 ans après, est-ce que la SNEL est toujours compétitive ? Toujours compétitive. Et je dis, nous sommes loin devant. Et tous les autres, les 21 autres opérateurs, ne font que nous chatouiller au tendon, mais ils ne nous atteignent pas encore. Malgré les critiques, ça et là, la SNEL assure la production, les transports, la commercialisation, mais du côté de la commercialisation, les abonnés souvent montent au créneau pour ce problème de délaissage, ce problème récurrent de coupures intempestives de l'énergie électrique. Il y a à boire et à manger dans ce que vous dites. Je voudrais, par honnêteté intellectuelle, commencer par dégager la responsabilité, disons par établir la responsabilité des agents de la SNEL dans la commercialisation. Malheureusement, dans chaque société, il y a des ripoux. Des personnes sans foi ni loi et qui se permettent de combattre l'instrument du développement du peuple congolais. C'est ainsi que, régulièrement, les agents qui vont installer, par exemple, le prépaiement, sont les premiers à dire aux clients comment se passer du prépaiement.
les agents qui présentent les factures, eh bien, s'arrangent pour revenir quelques temps après avec les mêmes factures, convaincus que les clients n'a pas assez d'archives. Eh bien, si le client n'a pas d'archives, ils le font payer deux fois la même facture, et vous imaginez où part l'autre fois, dans la poche de qui cette part atterrit. Pas des sanctions. Lorsqu'ils sont attrapés, ils sont sanctionnés. Nous avons un service d'inspection, nous avons un service qui recueille les plaintes. Mais malheureusement, parfois, le client est victime d'un certain chantage de la part, ou craint, n'est-ce pas, de dire la vérité pour ne pas être victime d'actes indélicats, d'actes méchants de la part de ceux qu'ils ont accusés. Mais nous demandons aux victimes de se présenter. Parce que, comme on dit, si vous cachez votre maladie à votre médecin traitant, eh bien, il y a beaucoup de risques que vous ne soyez pas guéri et que même vous puissiez succomber. 50 ans après l'âge d'or de la SNEL, à sa création, par exemple, la ville-province de Kinshasa n'était pas habitée par autant de personnes aujourd'hui. Plus de 11 millions d'habitants à Kinshasa. Est-ce que la SNEL a toujours la capacité d'offrir à cette population qui s'ajoute dans cette ville cosmopolite de l'énergie électrique, où la SNEL doit accepter la concurrence? Permettez-moi de continuer sur ma lancée de la première question. J'ai établi la responsabilité des agents de la SNEL, mais une responsabilité non moindre incombe au client, incombe aux citoyens. Le client, par le raccordement frauduleux, par le trucage, n'est-ce pas, pour payer moins, les citoyens par des actes de vandalisme, les vols de nos câbles, les vols de par exemple des pylônes, je sais pas, ils vont voler les cornières pour avoir de l'huile, etc. Ça, c'est une grande responsabilité parce que ce vol-là détruit la SNEL et la fait reculer. Donc voilà. Et en plus, il y a la responsabilité des clients qui ne veulent pas nous payer. Bien sûr, on attache une grande importance au rôle de l'État qui nous doit beaucoup, même par des compensations croisées, mais le fait que beaucoup de clients basse tension, haute tension, ne payent pas, tout ça, ça porte préjudice à la SNEL. Qu'à cela ne tienne, compte tenu de sa vocation initiale, qui est de développer l'économie congolaise, d'amener plus de confort à la population congolaise, la SNEL tient bon an an, mal an. Malgré toutes les péripéties et les critiques, la SNEL continue à fournir de l'électricité, une électricité à fournir de façon crédible. Nous pouvons connaître de pannes, mais nous n'avons pas besoin d'attendre des experts de l'extérieur parce que les nôtres le font immédiatement. Nous pouvons connaître des vols, des écroulements de pylônes à la suite des actes méchants et malveillants. Mais les nôtres, la SNEL a pris l'option de remplacer les pylônes par de monopodes qui sont mieux protégés. La SNEL a pris aussi l'option de remplacer le cuivre par l'aluminium. Tout ça, ce sont des efforts que la SNEL fait pour relever le défi de la méchanceté ambiante, pour continuer à accomplir le développement de l'économie, mettre à notre disposition, à la disposition de nos partenaires nationaux et internationaux, une électricité de qualité et de grande stabilité pour permettre le développement de l'économie et ensuite
pour permettre l'épanouissement de nos populations. Une population dont les enfants peuvent lire, étudier sur la grande route, puisqu'il y a du courant. Une population qui peut jouir des facilités modernes offertes par la télévision, suivre les matchs à l'extérieur, parce que, voilà. Mais il y a aussi la complicité quand même entre agents et certains de nos clients. C'est le cas bien connu des délestages ciblés lorsqu'il y a des matchs. Eh bien, certains agents s'arrangent pour couper le courant dans l'environnement d'un bar pour que les gens aillent suivre le magasin bar pour permettre aux tenanciers d'avoir beaucoup plus d'argent. Mais... Vous êtes au courant de tout ça? Oui, puisque nous sommes au contact de la population. Et donc, malgré tout, la SNEL aujourd'hui est une société commerciale bien tenue. Pour preuve, nous avons reçu des lettres de félicitations de la Banque mondiale pour montrer que notre comptabilité était bien tenue. Nous avons les lettres de félicitations du ministère du Portefeuille pour dire que nous respections notre engagement de performance. Et donc, ce qui nous arrive ne peut arriver que à ceux qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et face à cette montée de la population dans les villes, êtes-vous capable aujourd'hui de faire face à la concurrence ou parce que vous n'avez plus de monopole? Ce n'est pas une situation catastrophique ne plus avoir le monopole, parce que nous avons le leadership de fait. Le leadership, parce que nous sommes partout au Congo, tandis que ceux-là sont situés soit dans les zones minières, soit à Bukavu, à Goma, mais c'est actuellement ce sont comme des oasis comme ça. Mais le grand problème, c'est l'implication de l'État dans l'urbanisation de notre pays. L'État devrait ne pas permettre, ne pas donner l'autorisation de construction à un citoyen qui n'a pas présenté le plan électrique de sa maison, le type de maison qu'il va construire. Les Kinois savent qu'il y a 50 ans, vous ne pouviez pas construire ici, obtenir l'autorisation, si vous n'étiez pas à Comectric. Donc c'est cette rigueur de départ qui va permettre, disons, qui va mettre la SNEL à l'abri de certains désagréments. Comme, nous prenons un cas comme Matongé. Matongé, c'était un quartier résidentiel à maison. Unique. Et aujourd'hui, nous voyons des immeubles à Matongé qui payent comme s'il s'agissait de ces petites maisons-là. Cet appel d'électricité exponentielle dans une ville marquée par une certaine indiscipline sociale, En matière d'électricité, j'entends, il y a beaucoup de gens qui croient bien faire en donnant à son voisin la possibilité d'installer d'abord l'électricité chez lui à partir de sa fourniture de courant. Et la SNEL aujourd'hui ne sait pas toujours faire face aux besoins réels. Voilà pourquoi nous avons opté pour une campagne d'identification de consommateurs réels. Nous ne voulons plus de facturation collective, mais de facturation individuelle par foyer, pour nous permettre d'identifier les consommateurs réels et donc maîtriser la dépense et les recettes.
Alors, parlons de l'autorité des régulations de l'énergie en RDC, parce que depuis 2014, le secteur de l'énergie a connu la libéralisation avec le vote de loi voté à l'Assemblée nationale, promulgué par les chefs de l'État d'alors, Joseph Kabila Kabange. Non, par le chef de l'État. Parce que là, c'est la continuité de l'État, c'est la fonction. Très bien. Par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mais à ce jour, il y a d'autres partenaires, d'autres investisseurs qui voudront bien utiliser le moyen des transports de la SNEL pour réellement contribuer au développement de la RDC. Êtes-vous d'accord que la SNEL soit coopérative pour que ceux de partenaires, des investisseurs qui voudront bien investir dans le domaine de l'énergie en RDC puissent utiliser le moyen des transports de la SNEL? D'abord, la libéralisation n'est pas une mauvaise chose, ni pour la SNEL, ni pour le développement de notre pays. Le développement, la libéralisation vient injecter un esprit nouveau par la concurrence à plus de confort, par la création d'emplois, par l'occupation des espaces laissés vides par la SNEL ou desservis de façon incomplète ou inadéquate. Donc en soi, donc la situation idéale, quelle aurait-elle dû être? La situation idéale, ce serait de rentrer à la situation antérieure, à savoir que chaque producteur ait son moyen de transport, sa distribution et sa commercialisation. Alors là où le bât blesse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui produisent l'électricité, qui sont aujourd'hui une vingtaine, qui importent même, mais qui voudraient utiliser les moyens de transport de la SNEL sans payer. Et il existe même des cas où, en utilisant les moyens de la SNEL, l'État leur permet de facturer moins. C'est de la concurrence déloyale pure et simple. Donc l'État, en décrétant la libéralisation, je pense qu'il n'avait pas l'idée de cannibaliser la SNEL. Oui, c'est-à-dire... Qu'attendez-vous par là? D'un côté, le transport dépiécé par tous les clients. Non. Si un partenaire quelconque, un opérateur du secteur électrique quelconque, estime qu'il a la production, mais qu'il n'a pas le moyen de transport, il faut qu'il négocie avec la SNEL. Parce que les voies de transport ne sont pas illimitées, il faut les dimensionner en fonction du flux. Alors si déjà ce flux ne suffit pas pour la SNEL, comment nous allons injecter un flux supplémentaire? Donc, mais ce n'est pas l'avis de l'autorité des régulations qui est d'accord que la SNEL accepte de céder les moyens de transport à d'autres investisseurs qui voudraient bien investir dans ce secteur. Non, l'autorité de régulation est une autorité d'arbitrage qui a trois fonctions essentielles. D'abord, faire connaître la loi sur l'exploitation de l'électricité, veiller à ce que ces lois soient respectées. Deuxièmement, veiller au rapport correct entre les opérateurs du secteur de l'électricité. Et enfin, en cas de conflit, de malentendu ou de contentieux généralement quelconque, arbitrer. Voilà le rôle fondamental, le rôle même fondatrice, le fondateur de l'autorité de régulation. Évidemment, il y a d'autres rôles périphériques qui contribuent, n'est-ce pas, qui entrent dans la nature de ces trois fonctions que je viens d'énumérer. Vous n'êtes pas d'accord qu'on utilise le moyen de transport de la SNEL, mais vous n'êtes pas partout. Par exemple, à Goma, la SNEL
est dépassé par d'autres partenaires. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a le covoiturage. Pouvez-vous accepter de prendre en covoiturage quelqu'un que vous ne connaissez pas et quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? C'est le rapport du droit commercial élémentaire. Si j'ai besoin de vous, je vous contacte et nous signons un contrat. Je ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne imposer, fût-il l'État. Parce que par ailleurs, la Société Nationale d'Électricité, SNEL-SA, est aujourd'hui une société commerciale qui a trois repères. D'abord, la loi, les lois nationales. Ensuite, le statut, les règlements internes. Et enfin, l'OADA. Et dans la hiérarchie de ces réglementations, c'est l'OADA qui vient avant, compte tenu que les lois internationales auxquelles nous avons souscrit ont prééminence sur les lois nationales et même locales. Donc, vous êtes protégé. Nous sommes protégés, pas nous, mais l'ensemble de la profession est protégée. Et donc, nous exigeons, cela est légitime, que nous soyons également traités, que nous ayons le même type de traitement que les autres opérateurs. Vous pensez que dans cette affaire de libéralisation, vous ne bénéficiez pas d'un traitement d'égalité? Non, je vous ai donné ce cas-là. Par exemple, à Goma, à Bukavu, je crois que c'est à Goma, il y a une société qui produit l'électricité et qui voudrait confisquer nos moyens de transport avec la complicité de l'autorité locale en disant que ce sont des biens de la communauté. Non. Par la définition de la SNEL en tant que société commerciale, ces biens doivent être sécurisés. C'est-à-dire, tout ce qui était SNEL hier, SNEL société d'État, doit revenir normalement à la société commerciale, sans autre forme de procès. Ça, c'est la logique. Et les autres viendraient pour dire, bon, voilà, nous commençons le stade de usine de production et en attendant, nous prenons contact avec la SNEL. Par exemple, nous aussi, nous avons construit Zongo 2. Nous produisons de l'électricité, mais nous sommes incapables de le porter. Et pour cela, nous avons dû faire un investissement, un appel de fonds supplémentaire pour construire la ligne Zongo-Kisuka, là où sera établi le centre de distribution. Mais c'est de l'argent. Mais les autres veulent faire leur argent sur le dos de la SNEL. C'est ça qui est révoltant. C'est ça que la SNEL ne veut pas. Mais la SNEL ne peut pas empêcher la concurrence. Parce que nous sommes bien outillés pour faire face à la concurrence, non seulement locale. Apparemment, la concurrence vous dérange. Pas du tout. Mais il faut que la concurrence soit loyale, que le comportement soit de fair play. Il ne faut pas utiliser des arguments d'autorité. Parce que c'est un domaine commercial. Nous devons respecter les règles de l'OADA et nous devons bénéficier aussi de ces règles. À ce jour, pensez-vous que vous bénéficiez de ces règles? Nous sommes censés. Parce que l'État a pris l'engagement solennel que un traité international auquel nous adhérons prend le pas sur la réglementation interne. Donc, en principe, s'il y a un conflit entre la loi nationale et l'OADA, les dispositions de l'OADA prévalent par rapport... Vous avez parlé des Zongo 2.
À quand les transports de l'énergie électrique produits par Zongodé à Kinshasa? Ça date? Je peux vous rassurer que probablement l'année prochaine vont commencer les travaux d'exécution parce qu'il fallait bénéficier d'un nouveau crédit à des conditions, à des exigences d'abord préalables. Nous devrions constituer une réserve obligatoire. Nous l'avons constituée. Nous devions avoir l'autorisation, je crois, du ministère des Finances. On l'a eu. Nous l'avons soumis à nos partenaires. Ils l'ont accepté. Et donc, normalement, à partir de l'année prochaine, les travaux doivent commencer pour se terminer. Que des promesses? Non, ce n'est pas des promesses. Ce sont des réalisations de projets. Nous sommes en phase de réalisation d'un projet important parce que construire Inga Zongo 2 sans que le courant ne parvienne au Quinois, mais c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc. Parce que Inga 2, Zongo 2 n'aura de valeur que lorsque il va soulager et va alimenter Kinshasa et soulager les clients de délestage. Nous étions à Inga, nous avons vu le groupe G16 réhabilité, le groupe G24, vous avez fait une promesse à la population quinoise et qu'ils vont fêter avec l'énergie électrique. Est-ce que ça sera le cas pour Kinshasa? Est-ce que Bana Kinshasa va fêter ma lame? À ce jour, je peux vous garantir. À l'époque, j'avais dit que sur les 14 machines, 13 fonctionnaient. Il y a eu une petite panne. Donc aujourd'hui, nous sommes à 12 machines. Mais d'ici la fin de l'année, ce sera encore 13 sur 14. Donc la SNEL saura mettre à la disposition de la population la quantité d'énergie qu'elle est censée produire. Mais pour que la population bénéficie de cette énergie, il faut qu'il y ait un comportement civique et responsable. Si on continue à voler des câbles, le courant produit par Inga ne va pas arriver. Si on continue à détruire les pylônes, la même chose. Si on continue à voler les cordières, la même chose. N'est-ce pas? Donc, pour notre part, je peux dire que les Quinois vont passer la fête sans souci majeur du côté de l'offre d'électricité. Avec des groupes qui n'ont connu d'entretien qu'après 40 ans. Oui, mais ça c'est... Vous voulez faire le procès de l'histoire. Effectivement, le barrage ont été installés et d'après le constructeur, chaque 10 ans, il devait y avoir un entretien général. Je parle en termes généraux. Malheureusement, les péripéties de la vie ont fait que aujourd'hui, les barrages ont 40 ans sans entretien, j'allais dire réglementaire. Mais s'ils fonctionnent encore aujourd'hui, c'est parce que nos ingénieurs ont fait montre de génie en réparant chaque fois les parties défaillantes. Au point qu'aujourd'hui... De génie ou de bricolage? Il faut montre de génie. Le génie, c'est celui qui sait inventer des solutions là où les autres sont bloqués. Et nos ingénieurs, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a même un de nos ingénieurs qui était en Angola, qui a donné une solution, n'est-ce pas, à un aspect d'un barrage qu'on pouvait construire en Angola, à partir de notre expérience. On lui a demandé d'où venez-vous, et disons, je viens du Congo, nous avons connu tel genre de problème, etc. Voilà, nous devons savoir vendre notre génie. Aujourd'hui, nous avons un ministère de la coopération. Le ministère de la coopération, c'est devenu comme un ministère, disons, c'est comme un ministère, je pourrais dire, de mendicité internationale. On va demander ça. Mais nous avons aussi à offrir. Tous ces ingénieurs que nous avons, nous pouvons les mettre à la disposition de nos frères africains qui construisent des barrages. Et ça va coûter moins cher. Parce que chez nous,
Les travaux qui devaient prendre 6 mois ont pris 4 semaines, 6 semaines. Parce que les ingénieurs ont fait du non-stop. Alors que si c'était de la main-d'œuvre ou de l'expertise extérieure, il faut respecter les 8 heures, etc., ça prolonge. Donc, il y a quand même une dimension, une motivation nationale et nationaliste qui se trouve chez nos ingénieurs et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, bientôt, le jeu 28 en marche. Et il serait même intéressant de vendre, que la République vende notre technicité pour que les pays africains viennent chez nous, non seulement pour voir Inga ou investir dans Inga, mais aussi pour prendre nos ingénieurs et les aider à construire les barrages qu'ils ont chez eux. Inga, nous avons vu les ingénieurs travaillant deux fois jusque tard, non-stop. Est-ce qu'ils sont bien traités? Vu du côté de la SNEL, ils sont bien traités. Ils sont bien traités. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'une plainte spéciale. À part que nous sommes obligés de travailler 24 heures sur 24. Mais ça, c'est l'abnégation. C'est la qualité d'un homme de conscience professionnelle. Nous ne pouvons pas le leur reprocher. Nous allons aborder la problématique des miniers. Pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils aient de l'énergie de qualité. Est-ce que la SNEL, aujourd'hui, qui n'a plus de monopole, se sent menacée dans ce secteur par d'autres partenaires? Non. Je vous ai dit que la SNEL, aujourd'hui, bon an, mal an, produit 2000 MW. Oui, 2000 MW. Non. Tandis que les autres réunis ne font même pas 50. Il n'y a, comme on dit, il n'y a pas photo. Mais, petit à petit, mais, ils vont progresser. Pourvu que Dieu lui prête vie. Mais leur présence est bonne et nécessaire pour la SNEL parce qu'elle nous oblige de nous améliorer, de maintenir la distance. Voilà. Nous ne sommes pas particulièrement préoccupés par la présence de 20 nouveaux opérateurs. Au contraire, nous les encourageons. Le terrain est vaste. Il y a 2 345 000 km² à électrifier. Mais si la SNEL ne peut pas, eh bien que les autres y aillent, sans détrousser la SNEL. Parlons de prépayement. La SNEL expérimente cela. Il y a trop de réclamations par rapport à cet aspect des choses. Ceux qui ont le prépayement déclarent que les factures sont exorbitantes. Il faudra revoir cette façon de voir les choses, de faire les choses. Le prépayement, c'est quoi? Vous achetez à l'avance du carburant. Vous payez pour l'électricité que vous avez consommée. Dès que le montant est atteint, ça s'arrête là. Et donc, si le montant s'arrête plus vite, c'est que vous consommez beaucoup. Le prépaiement a l'avantage de mesurer la consommation réelle d'un individu. Et le fait que vous êtes obligé de payer avant va vous astreindre à une certaine discipline. Vous allez dire, éteignez, sinon ce que nous avons acheté ne va pas atteindre un mois, etc. Alors, les gens qui sont contre le prépayement, ce sont les gens qui préfèrent le flou de la facturation forfaitaire. Alors, c'est l'énergie des riches, là. On ne peut pas. Non. Mais vous allez. Alors, le téléphone, il n'y a que les riches qui le chargent. Pourquoi ne pas faire un effort et comprendre que quand vous avez payé un certain nombre de kilowattheures, vous ne pouvez pas laisser les lampes allumées dans la maison 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas utiliser à tout bout de champ les fours, les réchauds.
toutes les machines, etc. Il faut être regardant. Mais quand nous achetons à Vodacom, RTL, nous achetons et nous faisons attention. Si j'ai acheté pour 500 unités, je dis « Ah, ça, j'appelle et je fais le message. » Mais faites la même chose. J'ai acheté pour 100 kWh. À ça, je n'emploie pas le four, je n'emploie pas le fer, par exemple. Donc, il faut identifier les grandes sources de consommation pour vous permettre de maîtriser vos propres dépenses. Et par conséquent, l'utilisation de votre argent. Vous comptez l'étendre partout, le prépaiement? C'est à notre avantage. Il n'y a plus d'action sociale, de l'énergie, de la SNEL. C'est quand même une entreprise dont l'État est majoritairement actionnaire. Nous comprenons que le propriétaire puisse faire des libéralités. Par exemple, lorsque le président a décrété la gratuité pendant 2 mois, la SNEL a suivi le mot d'ordre du président. Mais ça, c'est vis-à-vis de la population. Mais par rapport à la SNEL, cet argent qui ne va pas rentrer dans sa caisse doit provenir d'autre part. Et voilà pourquoi l'État avait pris l'engagement de compenser ses manques à gagner. Qui s'élève à combien? Bon an, mal an, on peut dire. Allez, en gros, pour nous permettre de fonctionner et tout ça, c'est 50 millions par mois. 50 millions par mois. Et la dette de l'État? Si vous voulez les détails, bon, vous faites une émission avec un spécialiste qui vous dira, voilà, il y a ça, il y a ça. Les dettes de l'État, l'État a fait un sacrifice, un effort par des compensations. Aujourd'hui, je crois qu'ils doivent être à moins de 100 millions. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons avoir de l'argent frais. Si l'État nous paye 50 millions aujourd'hui, eh bien nous pouvons entretenir le barrage de Inga 1, qui ne coûte que 40 millions. Donc nous aurions 40 millions pour remettre, réquinquer Inga 1 et avoir même 10 millions de plus pour la modernisation ou à toutes fins utiles. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les barrages d'Inga 1 et Inga 2 ne sont pas modernisés? Non, je vous ai dit qu'ils doivent être entretenus. Ils doivent être entretenus. La modernisation est une chose. L'entretien, c'est-à-dire s'assurer de la conformité, n'est-ce pas, des machines, du fonctionnement des machines qui impactent sur le taux de production. Lorsque les machines n'ont plus les performance d'antan, eh bien, ils ne peuvent pas produire la quantité d'électricité dont on a besoin. Voilà pourquoi l'entretien est si nécessaire. Et voilà pourquoi nos ingénieurs se sont décarcassés pour essayer de maintenir le barrage à son niveau de performance initial. Tout à leur honneur, d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas accepter l'implication d'autres partenaires qui pourront vous aider dans la commercialisation, par exemple? La SNEL, comme toute entreprise économique, vous voulez n'est tout pas faire une association, ce n'est pas une activité philanthropique. Ce n'est pas une activité philanthropique et nous ne sommes pas au bout du rouleau. Aujourd'hui, je vous parle, nous avons des projets. Quels sont ces projets? Déjà construit Inga ici chez nous à Kisuka, je crois il y a même Sanga 2, il faut moderniser Nzilo, il faut Mwadingusha, c'est presque fini, nous avons des projets. Nous avons encore du jus, faites-nous confiance, nous allons, si vous nous garantissez les moyens, un environnement favorable, eh bien, nous allons faire des performances.
Qu'attendez-vous par l'environnement favorable? Ou les vandales qui détruisent, qui volent les câbles, qui détruisent les pylônes, quand ils sont maîtrisés grâce à l'autorité de l'État. Voilà un environnement favorable. Lorsque celui qui n'a pas l'électricité chez lui, selon les modalités déterminées par la SNEL, il faut qu'il soit poursuivi, il faut qu'il soit payé, il soit puni. Voilà un environnement favorable, c'est-à-dire un environnement où le règlement, les lois sont suivies de façon générale, où le taux de non-suivi est tout à fait marginal, 2%, 5%. Ça, c'est un environnement favorable. Nous allons bientôt terminer cette émission. Monsieur le PCA André Alain Atundu Liyongo, pensez-vous que 50 ans après, l'histoire de la SNEL est belle? Elle n'a pas connu de passage tragique. Même lorsque la guerre s'est emparée de Inga, ce sont nos ingénieurs encore qui travaillaient et qui ont tout fait. Donc l'histoire de la SNEL est belle. Mais elle sera encore plus belle lorsque l'opinion, la population, connaîtra la valeur de ces hommes. Combien de gens connaissent le parcours du DG actuel de la SNEL, M. Kayoum? Parce que pour le commun de mortels, bon, c'est un parachuté, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à rien. Or, M. Kayoumbo, c'est un soldat des rangs. Il a roulé sa bosse partout. Tous les sites de la SNEL, il a presque une histoire avec tous les sites de la SNEL. Donc c'est quelqu'un qui connaît. Mais seulement, au niveau où il est, il ne peut plus s'y adonner comme il le faisait. Parce qu'il y a une dimension politico-administrative. Aujourd'hui, il doit répondre aux invitations de parquet, par exemple, qui voudraient comprendre. Ou bien répondre aux invitations de la présidence qui voudrait associer la SNEL à telle chose. Ça, il doit le faire. Mais il sait faire aussi ce que les autres font. Alors, lorsque vous voyez nos cadres, vous verrez que la plupart ont 10 ans de pratique, 20 ans de ceci. Allez discuter avec les ingénieurs. Lorsqu'un jeune accepte d'aller quelque part et qu'il y voit son avenir, c'est que c'est une société viable, c'est qu'elle est bien tenue. Cela veut dire que le chef de l'État peut compter sur l'expertise de la SNEL pour l'accompagner dans son mandat comme président de l'Union africaine, comme étant donné que vous avez des experts en matière énergétique. Je pense que le président n'a pas attendu votre question pour compter sur la SNEL. Aujourd'hui, la SNEL est partie prenante dans Inga 3 en tant qu'expert au moins du gouvernement. Aujourd'hui, la SNEL est partie prenante dans l'effort d'électrification du Kassai. La SNEL est appelée pour inspecter et même prendre en charge les barrages produits par-ci, par-là, les Mokobola, etc. Donc aujourd'hui, le chef de l'État peut compter sur l'expertise de la SNEL et même le dévouement de son personnel. Ça, c'est très important. Même pour résoudre les questions sur le plan africain. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une plus-value que le président pourrait avoir en tant que président de l'Union africaine. On parle d'un problème de barrage. Il dit, bon, écoutez, je vais demander à mon expert. C'est la SNEL. C'est la SNEL. C'est pas notre partenaire. Bon. Écoutez, nous n'allons pas imposer notre expertise, mais ce sont les résultats qui vont parler en notre lieu et place. Dernière question.
le leadership de la SNEL garantit que les Quinois vont bien fêter avec l'énergie électrique. Il ne faut pas trop insister pour donner l'impression que cela ne dépend que de la SNEL. Je le répète, cela dépend du concours de tout le monde. Les ingénieurs qui travaillent non-stop, le management qui est présent en monitoring, et aussi les citoyens qui doivent protéger les infrastructures, les clients qui doivent payer pour donner à la SNEL les moyens de continuer à produire du courant de qualité, les moyens de continuer d'entretenir les infrastructures, les moyens de produire et de construire de nouvelles infrastructures, les moyens d'être crédibles en ce qui nous concerne. Je crois que les comptabilités sont chaque fois certifiées. Et ceci nous donne accès aux facilités de l'OADA, aux facilités du Fonds monétaire. Donc, bien sûr, nous sommes une société composée d'êtres humains, donc imparfaits, mais je ne pense pas que nous ayons des défauts handicapants. Sinon, la SNER aurait fait faillite. Aujourd'hui, permettez-moi de féliciter tous les agents de la SNER pour le dévouement dont ils ont fait montre. Permettez-moi de rappeler au souvenir de l'opinion tous les responsables, les PDG qui sont passés, les Munga, les Nzeza, le tout premier Nzeza, Munga, celui qui a duré le plus, même Mbala aujourd'hui, les Bingoto, les Momena. Il faut les féliciter. Et David Mutamba qui vient de nous quitter, il faut les féliciter. Il faut penser à honorer leur mémoire parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui la SNEL peut reposer sur des bases solides et de gestion et de technicité. Mais vous savez, pour le bon mot de la fin, le plan directeur de la SNEL, c'est ce plan-là qui sert aujourd'hui de plan directeur de la République, puisque la République n'en a pas d'autre. Et ce plan, c'était fait, je crois, du temps de Moura. Aujourd'hui, que c'est libéralisé, la République doit penser à avoir un plan directeur national conforme à l'environnement actuel. C'est-à-dire le fait que la SNEL existe, le 20 autres existent, il faut leur donner les lignes de priorité de l'État. Parce que les priorités de l'État ici, ce sont les lignes de priorité de la SNEL. Merci. Quand elle était seule. Merci. Merci beaucoup, monsieur le PCIA, d'avoir accepté de se livrer à cet exercice. 50 ans de la SNEL, avec les défis à relever, avec les réformes entamées, avec l'action menée pour répondre aux besoins sur le plan énergétique de la société congolaise. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour vous, surtout, de nous avoir donné, d'avoir donné à la SNEL l'occasion de s'exprimer un peu plus. L'occasion de se faire voir un peu plus. Parce que l'homme d'action n'a pas pour vocation de parler. Le DG n'a pas pour vocation de parler. Il doit gérer. Les ingénieurs de Zongo, Dinga, n'ont pas pour vocation de se répandre dans les déclarations. Ils doivent travailler. Ceux qui ont pour vocation de parler, c'est le ministère du portefeuille, c'est le ministère de l'énergie, à la limite, le conseil d'administration. Mais le son, le DG gérer sans l'abri, sans la pression inconsidérée d'une opinion ignorante quelquefois, ou même d'une opinion malveillante, qui cherche le changement, sa raison, etc. Merci.
Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. Vous avez compris la quête d'essence de notre émission avec André Alain Atundu Liongo, le PCA de la SNEL. 50 ans après, la SNEL a fait du chemin. Il continue à assurer l'énergie, la fourniture en énergie électrique en RDC. Eh bien, c'est un partenaire privilégié pour l'État congolais qui est l'unique actionnaire dans cette entreprise commerciale. À bientôt et on se retrouve pour d'autres programmes. Thank you.